Semaine 2! Oui, je sais, je suis en retard, j'aurais dû la faire la semaine dernière, mais j'ai procrastiné parce que Internet, parce que la vie, parce que... En même temps, c'est pas tout à fait de ma faute, parce que j'étais en... Du retard dès la semaine 2, ça promet. D'abord, deux mots sur le style littéraire du bouquin. Pas très d'actualité. Très années 80, très américain. Et surtout dans la façon dont elle raconte les histoires qui illustrent ses propos. Quand Jerry était encore un artiste bloqué, il a rencontré Lisa, une artiste douée, mais fauchée. Puis Jerry s'approcha de Lisa et l'allongea sur le piano, qui était à queue, comme Jerry d'ailleurs. Non. Il faut pas se braquer non plus sur le ton. Excuse-moi, je vais allumer, c'est un peu sombre dans la cuisine, je trouve. Donc je disais, faut pas se braquer sur le ton hyper ésotérique du bouquin, avec l'utilisation de mots très connotés comme Dieu, génie, démon, grand créateur, artiste fantôme. Ben quoi? D'ailleurs, il y a des mantras à lire tous les jours et qui branchent notre créativité à la grande force supérieure. Cette semaine, Julia Cameron nous met en garde contre les importuns. Ces gens qui, dans notre entourage, vont dénigrer ou critiquer notre processus. Le créatif, n'importe quoi! Là-dessus, j'avoue que je suis tranquille. Si j'ai un talent, c'est celui de ne pas attirer les cons et les gens toxiques. Oh, je sais pas, ça me vient comme ça, c'est un talent, c'est... Arrête! Ah, faut maintenant qu'on parle des pages du matin. Ces fameuses 3 pages à remplir tous les matins, quoi qu'il arrive. Alors, comment se passe cette deuxième semaine? Bah franchement, c'est de plus en plus cool. Ça ressemble toujours à un journal, je dis tout ce qui me passe par la tête, tout ce que j'ai sur le cœur, sans aucun filtre. Bon, en revanche, j'ai toujours pas réglé le problème de l'avant-bras en feu. Donc là, j'ai une petite technique de calmage momentanée. En tout cas, c'est en train de rentrer dans ma routine matinale et ça devient un moment privilégié avec moi-même et je kiffe l'exercice. Mon rendez-vous avec l'artiste, il était trop cool cette semaine. J'étais à l'aquarium de Paris, voir des poissons, caresser des méduses, admirer... Non, mais c'est le contraire. Comme exercice cette semaine, il fallait lister 5 métiers qu'on aurait voulu avoir. Et puis, il fallait imaginer comment on pourrait intégrer des petits morceaux de ces vies-là dans notre vie d'aujourd'hui. Par exemple, moi, j'ai marqué entomologue, windsurfer professionnel, danseur. Just pop it in. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir regardé. On se revoit la semaine prochaine. Bisous. Just pop it in.